ravie de vous retrouver pour, comme vous l'avez vu ici ou en titre de la vidéo, un nouveau crash test. Et oui, parce que vous savez qu'ici j'ose tout pour vous, pour tester des nouveautés. Et celle-ci, c'est une sacrée nouveauté puisqu'il s'agit du Carbon Coco. Parce qu'on dit charbon actif en français. Et en fait, ça venait avec une brosse à dents. C'est le nouveau truc à la mode pour blanchir ses dents avec du charbon actif. Donc je suis très contente que la marque ait pensé à moi pour vous le tester parce que vraiment, voilà, je le vois très régulièrement sur Instagram, très régulièrement aussi sur des chaînes américaines. Du coup là, pour le coup, en exclusivité ici, en exclusivité je ne sais pas, mais en tout cas pour vous, je vais m'y coller. Alors clairement, ça va pas être très glamour comme vidéo, mais bon, je pense que ça peut nous permettre de bien rigoler comme d'habitude quoi. Donc, j'ai regardé un petit peu le manuel qui vient avant. Ils disent, en gros, de faire ça pendant 3 minutes, enfin, de se brosser, en gros, les dents normalement. Ensuite, passer une huile, merci Andy, mais ça venait pas dans ce kit-là, d'une huile blanchissante, qu'on garde 3 minutes dans la bouche, je crois, qu'on rejette. Et ensuite, on repasse ça... Après, et aussi le dentifrice au charbon aussi, mais moi je n'ai que ça. Donc là, on va regarder sur mes dents actuelles. Donc on va prendre une petite photo de mes dents et de la couleur de mes dents surtout maintenant. Voilà, magnifique. C'est cette photo-là qui nous permettra de faire le comparatif avec l'après. Donc clairement, on va s'y coller. Alors, j'ai un petit peu peur quand même d'en mettre un peu partout, tu vois, parce que bon, c'est pas que mes charbons, c'est noir, donc noir sur blanc, ça, voilà. Donc ça vient en fait comme ceci, en poudre. Alors elle est hyper fine, c'est-à-dire que si tu souffles dessus, c'est... Voilà, fumé quoi. Alors, il les explique sur la feuille qu'on a juste à tremper la brosse dans le charbon. Et à le frictionner contre ses dents. Sauf que là, bizarrement, ça m'inspire pas. Alors, oui, j'essaye de... Je sais pas s'il faut que j'évacue le surplus ou vraiment que je mette tout ça dans la bouche. Là, je sens que ça craint du boudin, ce que je suis en train de faire. Je vous entends rigoler d'ici, hein, mais non, non, on n'a pas le droit de rire, hein, parce que si c'était vous, ben, je rigolerais aussi, tout simplement. Alors, j'ose même pas, en fait. Alors, 1, 2, 3. C'est poudreux, hein. C'est très poudreux. Ça assèche beaucoup la bouche, je trouve. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée encore là? Je sais pas si j'ai les bonnes idées de crash test, partenariat, tout ça, moi, dans la vie, hein. Vraiment, hein. Ça vous fait pas penser un peu à... Attends, c'est quoi ce film-là où il y a la meuf... je sais plus, il y a un film... c'est un film japonais... Où il y a une fille qui sort du mur, toute blanche, avec les cheveux devant et tout, et elle a des dents un peu comme ça. Ça fait trop bizarre de se voir comme ça. Bon, bref. En gros, je dois frotter pendant 3 minutes et je reviens. Alors, je vais essayer de mettre en accéléré parce que vous allez voir si je fais comme au tout début. Bon, là, ça va, ça se... Ah, ça se humidifie un peu, mais au début, c'est... J'en ai partout et tout, c'est normal.
Bon là, clairement, il y a 2 minutes qui sont passées, j'en peux déjà plus. Donc je vais aller me rincer la bouche. Cue un bisou. Non mais en vrai, quand tu ferme les mâchoires, ça fait cric, 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 cric. Je sais pas si ça s'entend de là où vous êtes, mais waouh. J'ai l'impression de manger les chips les plus croustillantes de ma vie, quoi. Bon, trêve de blablatage, là, faut que j'aille vraiment me rincer la bouche. Me revoilà, j'ai rincé mes dents et je me suis lavé les dents. Parce que c'est juste abominable, il y a du noir qui s'incruste partout. Et clairement, un cadeau. Sur la langue, ça ne part pas. Donc j'ai envie de vous dire, faites très attention quand vous faites ça, de ne pas avoir un rendez-vous important juste après, hein, clairement. Donc, on va faire la photo après. Voilà. Et on va se donner 2 minutes, enfin 2 petites secondes pour vérifier. Photo avant, photo après, ce que ça donne. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu une différence? Bon, moi, pour l'instant, je ne peux pas vous donner mon avis. C'est votre avis qui sera le plus important puisque je n'ai pas encore vu ni l'avant ni l'après. La seule chose que je peux regarder, c'est avec mon poudrier Clarins. Alors là, oui, effectivement, il fait la tronche. Mais voilà, c'est le poudrier que j'emmène partout avec moi. Du coup, je vérifie. Je ne sais pas. Je pense pas. Je suis pas convaincue, franchement. Après, je pense que c'est sur plusieurs utilisations. Donc, dans tous les cas, je garde effectivement la photo de avant et j'essaierai de faire après par exemple 7 jours une photo après, mais je sais pas, je trouve pas que ce soit très très éclatant, quoi. Voilà, donc ben c'était mon test pour le carbone coco. Pour le coup, et ben ce sera coco notre mot du jour. COCO, si toi tu ne sais pas ce que c'est que le mot du jour, c'est si tu arrives sur cette chaîne, je ne sais pas par quel biais, tu arrives ici tout de suite maintenant, et bien pour t'éviter de dire comme les autres, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, je sais pas quoi, c'est gratuit, la cloche et tout, et bien moi tu me mets le mot coco dans ton commentaire, je serais très ravie, et en plus je te mettrai un gros cœur pour te dire que je t'aime. Donc voilà, vous aurez compris que cette vidéo est terminée. Je ne sais pas trop quoi en penser, je suis mitigée, bon avec un léger mieux, peut-être. Je vais essayer sur le long terme et je vous en redirai de toute façon des nouvelles plus tard. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao !